L'histoire de James Adams est étonnante et merveilleuse. Moi, on m'appelle Jacques le radoteur, et avec mon bourricot numéro 9, nous nous sommes promenés longtemps dans ces collines. Alors je connais toute l'histoire à fond. Mon ami Adams avait été accusé d'un crime qui, en grandissant, il devint le meilleur ami qu'Adams ait connu. Et ensemble, ils entrèrent dans la légende. Le vrai montagnard aime se lever de bon matin pour assister au réveil de la nature. Il éprouve toujours le même plaisir à communier avec les plantes, les animaux et les éléments. Les animaux sont comme les êtres humains. Ils sont eux aussi admiratifs devant la beauté de la vie sauvage. Mais ce matin-là, les animaux paraissaient plutôt nerveux. Et Benjamin ne tarda pas à s'en apercevoir. Petits ennuis, toi, hein? Quand j'aurai réparé ça avec Nakoma, il y aura suffisamment d'eau pour toi et pour les autres animaux. Tiens, voilà. Quelque chose qui énerve les animaux. Explique-moi, Benjamin, qu'est-ce qui se passe? Ça oui, entièrement d'accord, il se passe quelque chose. Allons, on va jeter un coup d'œil. Pourtant, il doit bien y avoir quelque chose. Benjamin ne se comporterait pas comme ça. Élan numéro 9, cinq capuches, tête de mule, vieux tatos. Il y a encore plus lent que numéro 8. Et alors? Au lieu de ricaner, tu ferais bien mieux d'avancer. Allez, sors tes pattes de là, allez, vite! Tu traînes de plus en plus. Fainéant! Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que t'as peur de quelque chose. Ah, tu vas pas me dire que tu vas te comporter comme une poule mouillée. Ah, je t'assure, t'as vraiment pas à avoir peur. Jacques le radoteur te protégera. Oh! T'as vu ça?
Tes genoux se cognent tellement fort que les pommes de pin tombent de leurs branches. Nom d'un canon. Sauf qui peut numéro 9, c'est un gorille. Adams, je suis content de te voir. On vient d'être attaqué par des gorilles. Toute une armée, mon vieux. Mais allons, c'est impossible. Pourquoi? Tu les as vus, toi? Non. Eh bien, moi, je les ai vus et ils faisaient bien 2 mètres de haut. Oui, oui, ils faisaient 2 mètres de haut avec des bras comme des branches de chêne. Et puis, ils crachaient le feu, oui. Ah, et où ils sont maintenant? Ah ben, ils étaient juste là. Oh, ça. Ah, numéro 9 et moi, on a de la chance d'être vivants, je t'assure. C'est un petit chimpanzé. Ben, ah non, c'est pas lui. Numéro 9 et moi, on a eu affaire aux parents, ça. Fais attention, Adams. Ces gorilles sont plus costauds que 10 bons hommes comme moi. Tu viens? Je n'aurais jamais cru que je verrais une de ces petites bêtes dans la région. Je ne sais pas à qui tu appartiens, mais ton maître ne doit pas être loin. Il est très gentil, regarde-le. Ah oui, c'est possible, mais ses parents sûrement pas. Hein. Alors, d'où tu viens, hein? Tu crois qu'il comprend ce que je lui raconte? Alors ça, aucune idée. Mais il y a de fortes chances. On descend tous du singe, mon vieux. Mais il y en a qui descendent moins vite que d'autres. Sans blague. Alors moi, je serai le cousin de ce gros gorille. C'est rien, c'est Ben. Il essaye de devenir copain. Je crois qu'il l'aime bien. Regarde, il essaie de nous montrer d'où il vient. Aogowa, Dakota. Mais d'accord, c'est un petit qui n'est pas dangereux, mais et il vaut mieux pas tomber sur son papa. Sally, où es-tu? Alors, matelot, on était de quart et on a disparu? Ah! Reviens tout de suite! Ah, il est grand temps! Tiens, je crois que tu nous ramènes de la compagnie. Hein? Capitaine Nathaniel Morgan, des cargos de la Nouvelle-Orléans, à votre service. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ne vous inquiétez pas, capitaine, je voudrais vous présenter Benjamin Franklin. Moi, je m'appelle James Adams. Bienvenue, matelot. Et voilà Jacques. Matelot. Capitaine Morgan, vous cherchez votre bateau dans le coin? Et mon ami Nakoma. Nakoma, hein? Oh. Ah oui, bienvenue, matelot. Nakoma, matelot. Polly aime bien votre nom, Nakoma. Adams, regarde ça. Pourquoi est-ce qu'il a mis un bout de bois dans son chariot? Eh, c'est pas un bout de bois, c'est un mât. Un quoi? Un mât, pour une voile. Bon, venez, je vais vous montrer ce que je fais. Allez, Sally, on te suit. Viens, Benjamin. Vous avez réussi à dresser un ours? Oh non, j'ai pas eu à le dresser. Là. Nous sommes de vieux amis. Oh non, non, croyez-moi, les hommes et les animaux ne peuvent pas devenir copains. Pas plus qu'un poisson ne peut vivre sur Terre. Alors qu'est-ce que vous faites de Polly et de Sally? Ben non, ce sont des mascottes. Comme les autres bestioles, on les nourrit et elles obéissent, c'est tout le principe. Mais les animaux ne sont pas des domestiques, capitaine. Ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils sont stupides. Et Sally, par exemple, me paraît particulièrement débrouillarde. Alors, vous comprenez pas ce que je veux dire. La brave Sally ne prend aucune décision. Elle ne fait qu'imiter ce qu'elle voit. Et Polly, c'est juste un écho.
Sally, Sally, descends de là. Sally, le mât n'est pas arrimé. Descends de là, Sally. Rien de cassé? Ah non, ça va, ça va. Merci, Adams. Sally, qu'est-ce qui t'a pris? Tu aurais pu te faire très mal. Et regarde ce que tu as fait de mon mât. Allons, capitaine, Sally ne savait pas que le mât n'était pas arrimé. Mais théoriquement, elle ne doit rien faire sans que je lui dise. On a des problèmes depuis que nous sommes à terre. Elle a peur de tout ce qui bouge et tout ce qui est nouveau, elle affole. Je crois que vous pouvez l'aider. J'ai pas le temps de courir les bois avec elle. Il faut que je termine un travail. On me proposait plus rien à part un vieux fauteuil à la maison de retraite des marins. C'est pour ça que je suis venu ici. Je commence une nouvelle vie et il faut que Sally s'y habitue, c'est tout. Avec Benjamin, on peut vous aider. Vous voulez bien nous la confier pendant quelque temps? Si vous pouvez lui apprendre la vie par ici, je vous en serai reconnaissant, Sally. Viens voir. Allez, je vais te donner ta ration. Je vais te chercher une petite laine. Il y a toujours un vent frais dans cette forêt. Hein? Allez, amuse-toi. Très bientôt, mon bateau sera prêt à flotter. J'aurai peut-être besoin d'un coup de main pour naviguer dans les bois. Allez, viens. Est-ce que j'ai bien entendu? Non, vous avez bien dit que vous ferez flotter ce vieux chariot. Eh oui, matelot. Les gens ont des problèmes pour traverser les rivières. Et je bricole ce vaisseau des prairies pour les dépanner. Il flottera même sur les lacs. C'est l'histoire la plus dingue que j'ai entendue. Un vieux chariot qui flotte. Mais c'est complètement grotesque. Mais tout peut toujours flotter. Il suffit de trouver de l'eau qui soit assez épaisse. Je vais le calfater avec de la résine de pin. J'ai l'impression que ça manque pas ici. Oui, on va vous montrer les meilleurs coins de la forêt, capitaine. Mais nous avons déjà des bacs pour traverser les rivières par ici. Il y en a même dans les grands lacs. Alors pourquoi? Non, faut lui expliquer, Adams. Mais il y a tellement d'endroits, il n'y a rien pour traverser. Tiens, à la crique des Indiens, tu sais, les chariots font un détour de 2 semaines quand la rivière est en crue. Sally, descends de là tout de suite. Sally, tu m'entends? Attends, attention, tu vas tout casser. C'est un ordre, descends de là. Tu dois obéir aux ordres de ton capitaine. Elle a encore gagné. Voilà, capitaine. Jacques va vous montrer où se trouvent les pins, d'accord? Sally, Benjamin va lui présenter ses petits copains. Sally, tu vas recevoir les ordres d'un autre capitaine maintenant. Adams, vous allez avoir du travail. Hein? Ah, on va bien se débrouiller. Allez, en route, Benjamin. Bon, voilà, c'est le bon coin. Alors, ça vous plaît? Regardez. Ah, vous devriez vous en sortir avec ça. Je crois que votre chariot flottera. Merci, matelot. Oui, je sais que les Indiens en utilisent pour leur canoë, mais ça ne marchera pas avec votre chariot, hein, c'est quand même différent. Matelot, le problème, c'est que vous n'avez aucune imagination. Aucune imagination? Laissez-moi vous dire une bonne chose. Vous allez vous retrouver au fond de l'eau. Ça, c'est pas d'imagination, c'est un fait. Matelot, je me suis fait balayer par un typhon, emporté par une tempête, jeté sur une plage par un ouragan, mais j'ai jamais été coulé. Regardez numéro 9. Hein? Il est têtu comme un bourricot, parce que c'est un bourricot. Mais vous, vous êtes encore plus têtu que lui, et ça, c'est difficile. Allez, viens, numéro 9. On va aider Nakoma, il faut construire un barrage. C'est autre chose. Faire un petit copain? Sally, je te parie que t'as vu des lapins tout au long du chemin, non? Tu veux en connaître un? Vas-y, tu peux jouer avec lui. Sally, je crois que tu lui plais bien, tu vois?
bientôt, petit lapin. Seeing new faces and meeting new friends. That's how each day of your life should begin. Somehow you know and the feeling is right. You're not alone and your future is bright. Even when things aren't going your way, you laugh tomorrow for what happened today. Sally! Sally! Où es-tu? Alors, tu as la main prise dans un trou, hein? Je parie que tu tiens des noisettes. Le petit écureuil les entrepose pour l'hiver prochain. Tu vois, ton poing est trop grand pour ressortir du trou. Alors lâche ce que tu as dans la main. Tu verras que tu pourras te libérer comme ça. Je sais que ça te chagrine de lâcher ce que tu as trouvé, mais il le faut. C'est le seul moyen de te sortir de ce piège. Voilà. Allez, viens. Oui, voilà. Oui, tu viens d'avoir droit à une petite leçon qu'il ne faut pas oublier. Tu aurais pu rester coincé jusqu'à l'hiver. Il ne faut pas voler les autres. C'est un bébé. Attention, Sally. Pas de gestes brusques, hein? Il faut d'abord qu'il se sente en confiance. Non, non, tu es trop brutal, Sally. Attention, voilà sa maman. Ah, c'est pas grave. La maman cougar te voulait pas de mal. Elle s'inquiétait un peu pour son bébé, c'est tout. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. Allez, on rentre. Déjà avancé. Sally, to la letu. Sally commence à se sentir plus à l'aise. Hein? Alors, Jacques, le capitaine a trouvé la résine qu'il cherchait? Tu veux que je te dise ce que j'en pense? Il ferait bien de s'enfoncer un peu de bon sens dans le crâne. Ça marchera jamais, j'en suis sûr. Moi, je dis qu'un chariot peut pas flotter. Et je sais ce que je dis. Sally, reste pas ici. Mais Sally n'était pas habituée à rester en place. Et elle avait trop envie de retrouver ses nouveaux petits copains. Pauvre petit ne savait plus comment redescendre. Alors, Sally décida d'aller prévenir Adams. «
Il faut la suivre. Hé, hey, on arrive, Adam. Ce coup-toi numéro 9. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, Sally? Oui, je le vois. Oui. C'est ça le problème. Son petit copain ne peut plus redescendre. N'aie pas peur. Sally! Sally, reviens! C'est la maman. C'est rien, maman. Ne t'affole pas, on va te le récupérer. Il nous faudrait une échelle pour grimper là-haut. Je peux bricoler quelque chose avec Nakoma? Non, non, ça prendrait trop de temps. Ouais. Sally. Sally. Écoute-moi, il faut que tu te débrouilles pour sauter sur cette branche, tu as compris? Allez! Ah, bravo! C'est ça, oui. Maintenant, secoue la branche, j'attraperai le petit. Prête? Ça va, maman, t'énerve pas. C'est rien. Allez, vas-y, à toi, Sally. Allez! Il faut que tu sautes sur place. Là, voilà. Vas-y, continue. Oui, comme ça, très bien. Continue, Sally. Ah, bien joué, Sally. Tiens, maman. Il est sain et sauf, tu vois? Sally, tu peux redescendre maintenant. C'était formidable, tu sais. Alors là, vraiment, j'en reviens pas. Cette petite guenosse conduit comme si elle comprenait tout ce que tu lui dis. Je crois que Sally est plus intelligente que le pense le capitaine. Ah, ça oui, elle est maligne. Numéro 9. Et puis toi, rends-moi mon chapeau, hein. Non, et t'as vu ça? Numéro 9 commence à faire tout ce que je lui demande. Moi, je crois qu'il fait plutôt ce que Sally lui demande. Ah oui, t'as vu que j'ai pas récupéré mon chapeau encore. T'es une guenon, t'es pas un vieux montagnard. Bonjour, capitaine. Réussi à la convaincre de monter sur cette mule? C'est elle qui a décidé toute seule. Elle se sent à l'aise maintenant. Ah, c'est parce que vous avez la manière avec les animaux. Il n'y a pas d'autre raison. Et ce chariot, il avance? Ah, oui, il est presque terminé. Venez, je vais vous montrer. Vous voyez,
C'est à peu près fini. Et là, ça tiendra bien. J'espère surtout que ça flottera, capitaine. Ah, j'espère. Tiens, je vous propose une petite tasse de thé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais faire bouillir de l'eau. Ah, d'accord. Ah, faire un bateau avec un chariot. Le capitaine va se retrouver au fond de l'eau et on n'entendra plus jamais parler de lui. Je te parie mon chapeau. Allez, viens prendre le thé, on verra. Ah, je vois pas de thé, c'est réservé aux femmes. Et juste un coup d'œil là-dessus. Ah non, Sally, non, j'ai pas besoin de ma lunette. Non, va la montrer à Jacques. Allez, montre-la à Jacques. Pas de problème. Ça flottera jamais, ça. Et comme malheureusement, j'ai toujours raison. Y avoir raison, une fois de plus, quoi. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Ah oui. Mais... Alors, tu veux que je te dise? T'es aussi têtu que ce capitaine. Si tu crois vraiment que cette chose pourra flotter... Non, ça ne pourra jamais flotter, ça. Non, Sally, non! Eh? Oh, oh! Arrêtez-moi, ça va! Ah! À moi! Jacques, saute vite! J'ai cette maudite que non, maudite guenon! Tu n'as pas honte? Hein? Tu as enlevé la cale sans ordre, tu as failli casser mon navire! Comment ça, votre navire? J'ai failli me noyer, moi! Vous pourriez lui apprendre à bien se tenir à ce monstre! Et m'a obligé à prendre un nouveau bain 6 mois plus tôt que je l'avais prévu! Vous voyez, Adams, vous n'avez rien pu lui apprendre, hein? Je vous l'avais dit. Non, elle comprend vraiment rien à rien. Qu'est-ce que je vais faire d'elle? Qui vient des Indes, des singes du fond de l'Afrique, et à un vieux capitaine de Boston qui croyait qu'un chariot pouvait flotter. Sally, il faut que je te parle. Je sais que tu ne voulais pas faire de mal, mais il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. C'est tout ce que le capitaine essaie de te dire. Je sais que tu es suffisamment intelligente pour me comprendre. Alors, il faut lui montrer. Et être sérieuse. Le capitaine a de bonnes raisons d'être fâché. Il faut te racheter. Sally, faut que je te parle. Sally, approche, s'il te plaît, ou tu vas avoir des problèmes. Il ne faut pas vous inquiéter pour elle. Elle nous retrouvera quand elle en aura envie. Je peux vous donner un conseil? Vous devriez être plus patient avec elle. Je n'ai pas de temps à perdre avec ces fadaises. Mon chariot m'accapare beaucoup trop, matelot. Nous sommes revenus au barrage en espérant y retrouver Sally. Mais bien entendu, elle était à la recherche de ses petits copains.
La maman ours était un peu trop grande pour Sally. Pendant qu'elle s'amusait, nous, on continuait à travailler sur notre barrage. Ah, c'est bien. Merci, Benjamin. Merci. Tu as attrapé froid, mon pauvre Jacques. Hein? On s'enrhume pas, nous, les montagnards. Nous, on est en acier. Eh bien, ton acier, il a dû rouiller, alors. tu trouves ça drôle, je suppose? Ce gorille a été à deux doigts de me tuer, et si le capitaine n'a pas compris, il coulera comme moi, lui aussi. Et voilà. Bon, le bateau est fin prêt, Polly. Il manque plus rien. Charlie, ahoy, Charlie, ahoy. Oh, Charlie. Ah, alors tu reviens enfin. Allez, vite. Adams m'a demandé de faire preuve de patience avec toi, parce que sinon, il faudra qu'on se sépare. Bon, alors tu vas rester là. J'ai besoin de toi pour le lancement. Hein? Je vais te montrer comment on retire la branche qui sert de cale. Et pour moi, hein? Pas pour le montagnard. Il n'a pas apprécié le bain que tu lui as fait prendre. Même s'il en avait bien besoin, entre toi et moi. D'accord? Attention! Tout le monde est paré? Larguez les amarres! Et qu'est-ce que tu attends? Je t'ai donné un ordre, n'est-ce pas? Hey, hey, hey. Regarde, on a réussi. Il flotte, il flotte. Il reste plus qu'à établir la grande voile et ensuite... Il était un petit navire, il était un petit navire. Avoue que ça t'épate, ça. Allez. Sally comprit qu'un seul homme pouvait encore sauver celui qu'elle aimait, son nouveau copain, James Adams. Ah.
Sally, elle a l'air tout excitée. Qu'est-ce qu'il y a, Sally? Hein? Il se passe quelque chose, venez. Il faut que je le ramène. Donne-moi la corde, Sally. J'en ai besoin pour les sortir de là. Oui, oui, c'est ça. Allez, donne-moi. Allez, capitaine. Oh. Allez. Merci, Sally. Attends-moi là, je reviens. Nakoma! On est revenu à temps, il est vivant. Je sais rien, capitaine. Ah bon? Non, je sais rien. Ah. Il est sauvé, Sally. Oui. Ah. Oh non. Le capitaine était sauvé. Nakoma retourna dans son village et nous, nous observions le résultat de nos efforts. Bonjour, capitaine. Bonjour à tous, matelots. Bonjour, Sally. Bon, on est venu vous dire au revoir et vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est Sally qui a tout fait, vous savez. Si elle n'avait pas su comment vous retrouver, on n'aurait jamais pu savoir. Oui, oui, je sais, je ne l'ai pas oublié. Elle m'a montré que vous aviez raison, mon vieux, les animaux peuvent être nos amis. Ça ne semble pas naturel, évidemment, mais c'est pourtant vrai. Quand les hommes auront compris cette réalité première, on s'en portera tous mieux, non? Je vois que votre bateau est redevenu chariot. Oui, oui, et il restera comme ça maintenant. Vous aviez raison, matelot, les chariots ne peuvent pas flotter. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'en sais trop rien. Je me suis déjà échoué sur un banc. Le plus difficile, c'est de voir la fin de son rêve. Je voulais aider de pauvres gens à traverser les rivières et les lacs, mais je crois que c'est impossible. Il y a des tas d'autres façons d'aider son prochain. Vous savez, vous pourriez aider à construire des bacs. Vous n'avez pas oublié ce que je vous ai dit sur la crique des Indiens. Ils ont besoin d'un bac. Je m'en souviens. Ça pourrait être un jeu d'enfant pour un vieux loup de mer comme moi et pour ses vieux amis. Hein? Sally, dis au revoir aux montagnards. Au revoir, Sally. Au revoir, Sally. Ah ben... Embrassé par une guenon.
On pourra me traiter de vieux singe. Je vous oublierai jamais, matelot. Un de ces jours, capitaine. Si j'avais opté pour le fauteuil dans la maison de retraite, je vous aurais pas connu. C'est vrai pour toi aussi, matelot. Si vous n'aviez pas été un vieux montagnard, vous auriez pu faire un bon marin. Merci, capitaine. Bon, allez, en route. Allez, Sally. Allez, en route. On reprend le large. Et hop, on y va. Allez. Ohé, de la cabane. Bonjour. Regardez. Capitaine Jacques pour vous servir. Est-ce que tu serais passé par la crique des Indiens? Ouais, matelot. Regarde ce que m'a donné le capitaine. Qu'est-ce que t'en penses, Nakoma? Comment ils s'en sortent en bas? Ça va, très bien. Oui, oui, très bien. Avec numéro 9, on a aidé le capitaine à fabriquer le plus grand bac qui ait jamais été construit dans cette partie du pays. Oui, oui. Il est suffisamment grand pour transporter deux chariots et leurs chevaux en même temps. C'est une excellente nouvelle, Jacques. Tiens, regarde ce que je t'ai apporté. Prends-en une. Elles sont superbes. Ah, c'est incroyable, hein? Une seconde, attends que ce soit prêt. C'est pas une histoire. Cette petite guenot, elle est capable de prendre soin du vieux capitaine, mais elle ne le quitte plus. Tu sais, ce capitaine, c'est un type très bien. Je suis content qu'il ait fini par comprendre que les animaux ne sont pas des êtres à qui on donne des ordres. C'est tout ce que tu auras, alors mange lentement, bourricot. Tu veux que je te le dise? Il traite Sally bien mieux depuis qu'elle nous a permis de le sauver. Il aurait fini par bien la traiter, même si elle ne lui avait pas sauvé la vie. Mmh.